Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox Actualité. Aujourd'hui, journée fatidique, mercredi 1er mai, journée de lancement du pass Archipel. Nous sommes en direct des îles de la Madeleine, juste à l'entrée pour aller chercher le traversier. Et il y a une manifestation. On va aller tout de suite recueillir quelques commentaires du public. Vous en pensez quoi réellement, vous, de cette passe archipel-là? Complètement stupide. C'est pas une question de 30 $ qu'ils nous imposent. C'est une passe pour nous dire vous n'avez pas le droit d'aller là, vous n'avez pas le droit d'aller ici, il faut que sortir. C'est vraiment le code QR qui est le problème, parce qu'il a essayé de nous l'imposer avant, puis là, il a trouvé un autre moyen de nous l'imposer, puis notre liberté va être complètement compromise. Ouais. C'est sûr. Ouais. C'est un problème c'est une chose qu'ils préparent depuis longtemps. Ils l'ont essayé avec la H1N1, puis là, après ça, il y a eu la pandémie, puis là, le vaccin, puis là, puis là, la passe sanitaire, là, c'est la passe insulaire ou la passe archipel. Là, ça va être quoi? Après ça, ça va être la passe canadienne, la passe québécoise, la passe montréalaise. Partir des îles, là, si ça passe, partir des îles, des autres municipalités, il va falloir montrer une passe sanitaire à l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Charlottetown, pour le traverser le pont. Arriver à Québec, il va falloir passer encore. À Montréal, il va falloir montrer une autre passe. Donc, ça pue aucun sens. On n'aura plus voyager. On est aussi bien resté chez nous. Qu'est-ce que vous reprochez-vous au maire dans l'instauration de ce passe archipel-là? Bien, en gros, c'est la gestion en général. Là, si les chiffres sont exacts, on est passé d'une perception de taxes de 27 millions en 2021 à 41 maintenant. Puis on n'arrive pas encore. Puis là, il faut écœurer le petit monde à coup de 30 piastres avec des démontrer ses adresses pour sortir de chez soi. Je pense aux gens qui vont vouloir revenir voir leur famille cet été. Je vois ça comme de l'abus. Le passe archipel, moi, je suis certaine que c'est vraiment... Ça fait partie d'une plus grosse ampleur. Puis on est cobaye ici. Il commence ça ici, mais c'est sûr que ça va s'agrandir. Ça viole nos droits et libertés de circuler à travers le pays, là. Puis nous autres, quand on sort des îles, on traverse deux provinces, l'île du Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick, pour aller voir nos familles. Puis nos familles aussi qui viennent ici... Je veux dire, en visite, là, c'est pas juste des touristes. Là. Je veux dire, c'est notre famille qui vient nous voir, qui sont imposés à avoir un code QR, puis payer 30$. Il y a plein d'autres façons de faire autre que ça. Là, ouais. Là c'est ce qu'ils veulent nous installer, c'est un contrôle social. Là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre, mais effectivement, c'est qu'ils ont peur de se manifester. Ici, aux îles, on n'est pas beaucoup d'habitants, puis tout le monde connaît tout le monde. Donc, c'est un peu difficile pour certaines personnes de prendre des positions vraiment ouvertes, là, t'sais, de s'afficher comme quoi là, on est contre. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas, je vais dire, au courant de tout le plan et de toutes les conséquences de ce qui va arriver par la suite. C'est le lancement d'un passe qui veut nous priver de notre liberté. Moi, ça fait 15 ans que je vis aux îles de la Madeleine. Je ne suis pas madelinot, mais j'ai choisi il y a 15 ans de vivre ici pour la liberté de l'endroit, pour l'hospitalité des gens, pour la beauté des lieux. Ouais. Et il n'est pas question que je montre un papier à qui que ce soit, mis à part la Charte des droits et libertés,
pour sortir des îles de la Madeleine. Aujourd'hui, on se bat pour garder ce qui nous reste de liberté. On n'est pas très nombreux ce matin, mais le moment est historique. C'est pour montrer ici aux îles de la Madeleine qu'on veut absolument pas perdre notre liberté, parce que si on la perd ici, on sait que la prochaine, c'est Victoria. Après ça, c'est Toronto. Après ça, ça va être Québec, ça va être Sherbrooke, ça va être Montréal, ça va être partout. Déjà qu'en Europe, déjà qu'à Venise, ils commencent à faire la même chose. On entend parler dans d'autres pays. Alors, c'est vraiment important de se battre. Le tourisme aux Îles-de-la-Madeleine, on sait que c'est une industrie importante. Très importante. En matière d'économie. Maintenant, on s'attaque au tourisme. Exactement. Il peut y avoir un montant à payer pour des touristes qui viennent. Mais encore là, écoutez, le budget des Îles-de-la-Madeleine a passé de 21 millions à 27 millions à 41 millions depuis à peine deux ans et demi. Les taxes, justement, pour ce qui concerne les activités touristiques pour accueillir les gens, ont augmenté considérablement. Il y a déjà un recours collectif actuellement au niveau de cette activité-là. Alors, la municipalité là, a dit, on va peut-être faire un million avec ça, avec notre petit poste archipel, mais c'est pour payer les vidanges, c'est pour améliorer nos infrastructures. Moi, ce qui me déplore le plus, c'est que l'ATR est d'accord avec ça et que notre député Joël Arsenault s'est prononcé également pour dire, bah, c'est pas grave, écoute, les îles ont besoin d'aide parce que le tourisme, ça coûte cher et tout et tout. Alors, moi, j'ai perdu confiance totalement dans mon député. Bien, moi, je trouve ça épouvantable. Franchement, là, on est obligé de montrer nos cartes d'identité pour sortir des îles ou pour rentrer, pour dire qu'on reste là. Je veux dire, au Québec, on a des lois qui nous disent qu'on n'a pas à payer pour... Même au Canada, on a des droits. Qu'on ne paye pas d'une province à l'autre, il n'y a pas de douanier, rien. On ne paye pas pour un service aux îles. Comment vous vivez ça? J'ai pas de mots. C'est une atteinte à nos droits et libertés de circuler librement au Canada. Puis ça, je l'accepte pas. Premièrement, on va nous montrer où est-ce qu'on reste. Puis là, ben, si on a sorti ou pas sorti, ils vont rentrer des statistiques. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. On est rendu qu'il faut qu'on soit checké. Est-ce que les îles, aujourd'hui, sont divisées? Je crois que oui. J'ose espérer que lorsqu'on va faire un rassemblement un peu plus tard, un rassemblement à une date stratégique et à un endroit stratégique, je pense quand même que les gens vont se lever en quantité. Je vous dirais que la majorité est d'accord contre le pass, mais c'est ça, là, ça chiale plus dans leur maison, mais il y en a qui se lèvent puis qui se tiennent, là, mais la plupart, non. La majorité sont en désaccord. Oui, mais ça a commencé la division, ça a commencé avec la pandémie, là, je pense. Mais oui, ça l'a encore plus. Ça l'a encore plus, on sent la grogne. Moi, je sais qu'il y en a qui trouvent ça drôle, qui disent « liberté », là, mais je la trouve pas drôle. C'est un droit fondamental. Nos ancêtres se sont battus pour nos droits, puis ils sont morts au combat, puis nous autres, bien, on se lève le matin, puis on est là aussi pour combattre, puis que nos droits soient respectés par tous les paliers de gouvernement, fédéral, provincial et municipal. Monsieur Elkel, comment vous réagissez par rapport à voir vos citoyens ce matin? Ce matin ici, j'aurais pas de commentaire. Vous voulez pas donner vos impressions par rapport aux citoyens qui manifestent contre le pass archipel ce matin? Aujourd'hui, maintenant, j'aurais pas d'autre commentaire qu'on prend note et on prend acte de ce qui se passe ici ce matin. Merci. Est-ce que ça devient en force aujourd'hui? J'aurais pas d'autre commentaire, monsieur. Je suis avec un investisseur qui investit dans l'immobilier ici sur les îles de la Madeleine. Comment vous réagissez, vous qui êtes un investisseur, par rapport à cette nouvelle façon de faire aux îles?
Bien, au niveau de l'investissement, on m'a souhaité la bienvenue il y a quelques années. Je trouvais que les îles, c'est un environnement quand même assez paisible, extraordinaire. Et pour me remercier, on a triplé mes taxes dernièrement. Et puis, bien, rendu là, je paye le triple des taxes que je payais avant. Puis là, ensuite, bien là, moi, j'ai comme une petite business, donc j'essaie d'accueillir les touristes. Ces touristes-là, en plus, bien, il faut que j'ai... Faut que j'ai les écœurs avec le 30$. Rendu là, bien, le 30$ qui va devenir 40, 50, 60 sur les 10. Moi, c'est une question de contrôle, c'est une question du territoire, c'est une question de pouvoir circuler librement. Puis, rendu là, moi, me faire contrôler, il n'y a pas un homme qui va me dire que je vais être obligé de m'identifier à quelqu'un juste parce que il y a un règlement municipal qui me l'oblige. Donc, je suis là pour ça. Puis le fait qu'on s'en prend au deuxième pilier économique de la région, qui est le tourisme, vous réagissez comment? Ben moi, d'après moi, on va tuer la poule. Là, ça allait bien ici. On se ramassait avec des touristes. On se ramassait avec une activité économique. À partir de là, ben déjà, ça a commencé. Il y en a qui trouvent ça bien ordinaire de toujours payer pour ça. Puis, à un moment donné, le monde va s'écœurer, puis ils viendront plus. Puis là, ben on va chialer parce qu'on n'a pas d'argent. Puis rendu là, ben ça va être encore pire. Puis, c'est un trou sans fin. Est-ce que les îles sont divisées aujourd'hui? Mais les divisés, je ne peux pas vraiment vous répondre là-dessus. Il y aura toujours des beaux prétextes pour nous entuber. Des beaux mots comme préservation, comme archipel, comme environnement. Puis là, ça fait que tu ne peux pas être contre la vertu. Donc, on sort des beaux petits mots, puis après ça, on paye, puis on se fait avoir, puis on ne dit plus rien, puis on est content. Sinon, on devient quoi? Des contestataires, des anarchistes. On devient des gens qui sont contre tout. Dès que tu te prononces contre quelque chose, bien, à ça, tu ne peux plus gagner. Donc, on est rendu là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est bon. Salut. On est venu prendre le pouls d'un commerçant, M. Léonce Arsenault, copropriétaire du Bar Bocheux. Je vous le présente à l'instant. M. Arsenault, aujourd'hui, c'est une grosse journée pour les îles de la Madeleine. C'était le lancement de la passe Archipel qui prenait place aujourd'hui, qui prenait force aujourd'hui. Il y a eu une manifestation au pied du quai ce matin par un groupuscule de personnes qui étaient présents. Quelles sont, vous, vos impressions et vos préoccupations face à la mise en œuvre et l'implantation d'un passe-archipel aux îles de la Madeleine? Bon, moi, d'abord, j'appelle pas ça une passe, j'appelle ça un passeport. Mais chacun l'appellera comme il veut. Et là, moi, je parle pas de personne à part que moi-même. Moi, je crois que c'est la pire chose qui nous est arrivée depuis qu'on reste aux îles. Il faut comprendre que nous, ici, aux îles, on vendait quelque chose que peu vendaient. On appelle ça la liberté des lieux. On avait une liberté qu'on ne voyait pas ailleurs. Tu pouvais à peu près marcher n'importe où sans quelqu'un te dise foutre le camp de chez nous. Et là, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Parce qu'on est très accueillant. Mais là, on vient d'avoir. Écoutez-moi, c'est le coup le plus dur que j'ai vu. Ça fait longtemps que je travaille dans le tourisme. Là. C'est vraiment... Je cherche le terme, là, mais j'ai de la misère à le trouver parce que ça m'aurait plus à, tu sais. Nous, on a toujours été habitués. On n'était pas obligé de s'identifier quand on partait des îles. Si tu payais en argent, si tu réserves pas, tu n'as pas question de t'identifier. C'est quoi, cette affaire-là? Moi, je connais aucun endroit au Québec qu'on est obligé de s'identifier quand tu portes ton village. Bon. Puis là, on impose aux touristes un passeport. Un passeport, d'abord, payer pour venir, ça, moi, je pense que ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a aucun endroit au Québec ou au Canada qu'on paye pour séjourner. Tu vas payer les infrastructures, oui. Tu vas payer le pont qui va aller près de l'île, comme tu vas payer le bateau pour venir aux îles, ça va. Mais il n'y a personne qui paye pour être à l'île près de l'île, vous comprenez? Ouais. S'ils utilisent les infrastructures, ils payent. Ouais. Mais s'ils sont juste là, ils n'ont pas à payer. Donc, c'est un précédent que je trouve qui est terriblement dangereux. C'est un projet pilote. Le maladie, c'est un projet pilote. C'est quoi qui n'a jamais été fait au Canada? Parce qu'on sert un peu de cobaye. Et le maladie, on sert de cobaye. Ouais. Moi qui vis du tourisme, c'est une catastrophe. Je sais que cette année, qu'il n'y a pas grand monde qui va annuler s'ils l'ont déjà réservé puis ils ont payé une partie. Mais moi, je crois que les autres années, ça va nous faire mal. Ça nous fait mal paraître. Moi, j'ai vu les touristes dire qu'ils avaient honte de ce qu'on faisait. Mais moi-même, j'ai honte. Mais moi, j'ai plus honte. J'ai pas honte des Madelinons, j'ai honte de la mairie. Ouais. C'est quoi l'opinion, M. Arsenault, des Madelinos par rapport à ce passeport archipel-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire que les Madelinos sont divisés? Écoute,
il n'y a pas de place qu'il y a du 100%, ça n'existe pas. Mmh. Moi, dans mon entourage à moi, à qui j'en parle, sincèrement, la majorité s'en compte. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont pour, puis je les respecte, mais souvent ceux qui sont pour, c'est qu'ils se sont juste arrêtés sur le 30$. Voulez-vous que les touristes payent 30$ mais ici, sinon je monte vos taxes? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais vos taxes sont déjà montées, de toute manière. Montées, doublées. Le budget municipal, le 2-3 ans maximum, 27 millions, puis d'un coup, pow, 41 millions. Bon, parce que... Vous allez chercher où, cet argent-là? Doubler nos taxes. Tous les commerces sur l'île ont doublé. Wow. Mais comment vous pouvez arriver en vendant les mêmes produits, le même prix, ayant des taxes qui ont doublé, puis maintenant on s'attaque au tourisme en établissant une passe archipel? Imaginez-vous. Non, moi, je trouve que c'est la plus grosse folie que j'ai jamais vue. Nous, ça a été, en réalité, la surprise, c'est le 9 avril qu'on l'a eue. Parce qu'on ne savait pas qu'il y avait un code QA obligatoire. On ne savait pas que les Madelinos qui restent plus aux îles depuis un an, hein, sont obligés de payer, obligés de présenter. Imaginez, là. Un Madelinon s'en vient ici enterrer ses parents, il faut qu'il paye 30$, puis ça lui prend un passe. Voyez-vous l'insulte que ça peut faire? Non, non, ça ne dérange pas. Mais moi, alentour de moi, tout le monde est contre, alentour de moi. Papillon, on traite le touriste. Moi, si je serais un touriste, sincèrement, je serais choqué. Puis on essaie bien de faire comprendre aux touristes que c'est pas de notre faute à nous, c'est pas nous autres qui avons imposé ça. C'est la mairie. moi, je pense que c'est dans un excès de folie. Ouais. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui les presse à faire ça? Puis regardez, c'est pour les déchets. Et pour la protection des lunes. En gros, c'est pour ça qu'ils ont emmené le pass. Mais les déchets, ils viennent d'aller chercher 14 millions de plus à chaque année. Ça revient à chaque année. Ben, s'ils ne peuvent pas régler les déchets avec 14 millions, le problème, ce n'est pas les touristes. Après, on devrait se prendre quelqu'un qui est capable de gérer, parce que 14 millions de plus sur 27, on devrait régler les déchets. Ça ne se tient pas. On a une qualité de touristes qu'on ne voit pas ailleurs. D'abord, ils ont de l'argent dans leur poche. Pour nous, ici, ça prend de l'argent. Mais ils sont hyper respectueux de l'environnement. C'est incroyable. Mais j'ai jamais... Quand tu vois des déchets, là, c'est rare que c'est le touriste qui l'a acheté. Je pense qu'il y a plus de chances que ce soit un Madelino que le touriste qui a acheté son déchet. Vous êtes le propriétaire du Barbocheux. Vous fabriquez vos propres vins ou vos propres liqueurs d'alcool. C'est un lieu prisé, c'est un lieu hyper connu sur les îles de la Madeleine. Quel sera l'impact du pass sur les îles, outre-mis peut-être le tourisme? Voyez-vous d'autres choses que ça pourrait affecter? Moi, c'est un produit touristique. Ça veut dire que moi, au niveau de la population locale, oui, il y a des Madelinos qui viennent ici. Souvent, ils viennent avec de la visite. Oui. Mais ma grosse clientèle, ce n'est pas les Madelinos, c'est les touristes. À ce niveau-là, j'aurais pas un gros impact. Mais c'est sûr que si le tourisme diminue, que ma vente va diminuer. C'est clair, net et précis, on ne peut pas se tromper. Puis si ça serait juste moi, j'ai peur pour beaucoup d'autres, tu sais. Ce matin, il y avait un groupuscule de personnes qui se sont déplacées pour manifester contre le passeport archipel. Manifestation qui vraisemblablement a été annulée. Mais il y a des gens qui se sont quand même mobilisés pour y être. Et on a annulé la conférence de presse qui était censée avoir lieu. Vous aviez un momentum. Les médias de Montréal commençaient à parler de plus en plus de ce qui se passait aux îles, puis soudainement, on a annulé. Est-ce que vous pensez que c'était avoir un impact par rapport à ça, puis pourquoi avoir annulé? Mais écoutez, le problème de tout ça, c'est qu'il n'y a personne qui a le leadership de cette cause-là pour les Madelinos. Chacun y va du bout qu'il peut, tu sais, tu comprends-tu? Ça fait qu'il n'y a pas vraiment d'organisation, c'est vraiment des gens volontaires. Il y en a qui annoncent une conférence de presse, puis ils décident de ne pas y aller, tu comprends-tu? C'est parce qu'on n'est pas organisé, on n'a pas vraiment de comité. Je pense pas que ça va avoir nécessairement un gros impact pareil, parce que Tirovac, c'est ici. Hein? Puis on a aussi il va y avoir la réunion du 14 mai. Là, je crois que là, on va en entendre parler. Je pense que si on est pour se mobiliser, là, c'est là. Là, vous allez entendre parler ça. Il faut aller le crier en quelque part. C'est la place pour le crier. Malheureusement, le maire est tellement entêté que je sais qu'il ne viendra pas de bord. Fait que là, on est en confrontation. Comment vous expliquez l'arrogance du maire face à ses citoyens? C'est inexplicable.
J'ai jamais vu ça. Pourtant, j'ai jamais beaucoup aimé les autres mères aux îles, là. Mais lui, écoute, il y a quelque chose en arrière de ça, parce que je peux pas comprendre qu'ils sont autant entêtés. Ouais. Il y en a, c'est pas pour 30 piastres. Les gens qui viennent ici, ils dépensent 3, 4, 5 000 piastres. Mais le 30 piastres, ça va faire mal. Ouais. Obligé de payer pour être ici. Ils ont bien beau dire que c'est pour les déchets. Mais il n'y a personne qui va se promener à Montréal qui paye les déchets de Montréal ou du Québec. Mais non. Tu sais, il y a d'autres places qui sont belles. À Saint-Tite, comment ils reçoivent le monde? Ouais. Ils ne vont pas, payer les déchets le monde qui va à Saint-Tite. Je ne sais pas ce qu'ils ont pondu ça. Comment ils ont fait pondu ça? Nous, on savait qu'il y avait un pacte qui s'en venait. Puis jamais qu'on serait méfié de l'ampleur que ça a donné. Absolument. C'est pour ça que les îles se sont réveillées le 9 avril avec une affaire broche à foin, parce qu'il n'est pas capable de répondre à tout. C'est un projet pilote. Ouais. On s'essaye. Ouais. Vous avez parlé d'organismes subventionnés, M. Arsenault. Est-ce que vous pensez que ces organismes-là ont eu de la pression, par exemple, du maire ou de ses conseillers? Mon idée à moi, c'est clair, net et précis. Est-ce que les gens, selon vous, qui ont eu des menaces? De l'argent de la municipalité, c'est clair. Ils sont tous du bord de la municipalité. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être des gens qui auraient eu des menaces ou qui auraient eu des moyens de pression contre eux pour les faire changer du contre au pour, le PASS? Je voudrais pas m'avancer sur quelque chose que je sais pas. Ouais. Moi, je connais une madame que, parce qu'elle parle la compte, elle a été menacée. Et c'est la seule chose que je connais. Je peux pas vous dire. Mais c'est sûr qu'il y a eu de la pression. Parce que pour pas croire que... Moi, pour moi, tout ce qui touche la rente de la municipalité, c'est clair qu'ils ont une directive. Ouais. Parce que ça se peut pas qu'ils sont top pour terminer ça. T'sais, comment l'association touristique peut être pour une affaire comme ça? On n'avait pas besoin de ça. On vit, on a toujours vécu de liberté, même si on n'était pas riche. Ouais. On vient nous couper ça, on vient s'identifier pour sortir. Quelle aurait été la solution? La solution, selon c'est vous. Jamais nous emmener ça. Ouais. Ça, pour moi. Puis la solution, qu'ils sortent ce projet-là. Mais je sais qu'il n'arrêtera pas. On sait qu'il n'arrêtera pas. Y croyez-vous encore à la démocratie? Mais non, on n'est pas en démocratie. On va résumer le pouvoir politique. Ouais, celui qui vote la loi est le roi. Et vous devez voter pour une loi, un règlement, un budget? Non. Nous, on vote à tous les 4 ans pour se nommer un roi à qui on donne l'entièreté du pouvoir. Puis si on n'est pas content, il va garder son pouvoir, puis dans 4 ans, on va choisir un nouveau roi. Avant, le roi était nommé par le sang, maintenant, c'est par le vote. Ouais. Et parce qu'on a mis le mot vote en avant, on pense qu'on est en démocratie. Une démocratie, c'est quand le peuple décide lui-même. On est aussi intelligent que tout ce que je vois à la mairie. En tout cas, avant qu'il soit à la mairie, j'étais aussi intelligent que lui. Puis là, tout d'un coup, ils sont devenus plus intelligents que moi dans une journée. Arrêtez de nous prendre pour des enfants d'école. Arrêtez de nous envoyer des projets comme ça à la gorge. Laissez-nous décider. Donc, c'est ça, la démocratie. Monsieur le maire, ici, il a un pouvoir suprême puis il ne veut pas le lâcher. C'est ça qui est choquant. Donc, on y aura n'importe quoi dans la gorge, chez moi. Vous avez voté pour moi, c'est moi le boss. Est-ce qu'il était aussi arrogant avant d'être au pouvoir? Ben moi, je crois qu'il n'en a pas beaucoup. C'est qu'il a tout le temps... Il était bien habillé, on est bien habillé, c'est pas ça de parler, là. Il a une certaine fierté, on est, mais il n'avait pas de grandes décisions à prendre parce qu'il était journaliste. Mm. Puis après, je pense qu'il travaillait à la Chambre de commerce. Mm. Donc, il n'a pas de grandes décisions à prendre. Ouais. Et là, le pouvoir, il l'aime massacrement parce qu'il veut pas des membres de tout ça. Il veut rien entendre d'annuler ça ou de mettre ça sur une tablette. Pensez-vous qu'il reçoit ses ordres plus haut? Ben, je sais pas. C'est soit ça ou soit que c'est... Il est barré. Il est borné. Le pouvoir, faut faire attention aux mots, là. Ouais. S'il m'aurait pas retenu, j'aurais dit... Ben, pas lui. Mais sachant une chose, le pouvoir en fout. Le pouvoir en fout, ça c'est clair. C'est quoi l'avenir aux îles? Ça va mal si ça continue comme ça. Parce que le reste du Québec va faire comme nous. Moi, je suis très découragé de ces choses-là. Il faut absolument que ça débarque. Avec les mettre des noms prisonniers chez eux, sacrément. Et là, bon, c'est pour les déchets. Mon contre-fils, les déchets, m'en fous, vous voyez ce que c'est. Vous avez changé notre vie avec une loi qui n'a aucun sens. Les Madinots qui sont plus aux îles sont ultra frustrés. Il faut qu'ils payent pour avoir le droit de venir chez eux, sacrément. On nous prend tous pour les fous. Puis nous, on est obligé de s'identifier. Aucun sens, aucun sens. Je ne sais pas où ils ont été pêchés ça. Je ne sais pas c'est quoi le trip de power ship.
Mais comment faire pour bloquer ça? Voilà, c'est là notre problème. Mmh. On peut juste chialer, pétitionner, manifester. Mais tant qu'il va se décider, hein, on ne peut rien faire. C'est ça qu'il fait. Hein. On n'est pas des enfants d'école, on est assez intelligents pour réfléchir, qui nous laissent décider nous-mêmes. Absolument. Voilà. Monsieur Arsenault, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de répondre aux questions aujourd'hui. Très bien plaisir. C'est ce qui complète nos divers reportages en lien avec l'implantation de ce passe-archipel aux îles de la Madeleine. Et comme vous avez pu le constater, la population est pas mal divisée. C'était Jean-François Denis en direct des îles de la Madeleine qui vous dit à la prochaine.